Badger Communication, mon nom est Très Eltrif d'Imidra. Comment puis-je vous aider? Bonjour, mon nom est Michel Blau-Blais Blanchard. J'aimerais vérifier quelque chose sur mon compte mobile, s'il vous plaît. D'accord. Le nom de jeune fille de votre mère, s'il vous plaît? Comme vous venez de dire, non, ma mère n'est plus une jeune fille. C'est exact. J'ai accès à votre compte. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Eh bien, je regarde actuellement vos forfaits. Oui, mais vous avez le forfait texto illimité. Oui, vous l'enlevez, celui-là. Je suis pas capable de faire un texto illimité. D'accord, mais qui peut faire un texto sans fin? C'est quand même assez. Une fois que j'ai écrit, j'arrive dans 15 minutes, ça s'arrête à peu près là. D'accord. Alors vous ne désirez plus ajouter. Voici maintenant la genèse de l'univers. Tout a commencé. Non, je sais que je ferai pas ça. Bon, d'accord. On retire le forfait texto illimité. C'est quoi mes autres forfaits? Vous avez interurbain gratuit dans tout le Canada. OK, ouais. Vous économisez beaucoup avec ça. Ah oui. Moi, je vous conseillerais. Chacun sait qu'appeler à Winnipeg est un geste qui peut devenir dangereusement compulsif. Et je vois que vous avez 800 minutes d'appels entrants et sortants. Les appels entrants et sortants. Mais comment en ce moment, vous m'appelez, vous faites un appel sortant. Oui. Et c'est moi qui vous appelais sur un appel entrant. Oui, dans le fond, il y a juste ça, des appels entrants et sortants. Là. Oui, tout à fait. Il n'existe pas d'appel restant sur le seuil de la porte à jaser de Safia Nolin en commençant la conversation par c'est-tu moi ou bien. Non, il y a juste des appels entrants et sortants. Bon, écoutez, je vous appelle pour parler d'une crainte que j'ai parce que oui. Je suis journaliste. D'accord. Et je sais que les téléphones de journalistes sont épiés. On en parle beaucoup, oui. Et j'aimerais savoir. Un journaliste pour le Journal de Montréal? Non. La presse? Moins gros que ça, là. Le Devoir? Non, plus petit que ça. Le Soleil à Québec? Non. Le Nouvel non, plus petit. Plus petit. Excusez, je trouve pas. Bon, je suis chroniqueur dans le journal Les Petites News. Entre deux bouses de Saint-Elzéar-de-Beauce. D'accord. Et j'ai peur d'être épié. Oui, j'avoue que le mot épié est très populaire ces jours-ci. Dites-vous, n'est-ce pas? Même la chanson épié, aïe, 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 épié a pris des droits d'auteur incroyables. Paraît-il. J'aimerais savoir s'il existe une application qui me permette de me protéger contre ça. Contre la surveillance électronique? Oui. Une appli? Une application, oui. Oui. Dites application, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Dans les moments intimes avec ma blonde, des fois, elle dit ça, appli, puis ça me fait de la peine. Mais je ne crois pas que ça existe vraiment. Mais ça n'a aucun sens. Oui, mais monsieur, vous savez. Puis ma blonde, mes enfants. Oui, je comprends. Quand on sait ce que c'est, les problèmes de SPM. C'est SPVM qui fait de la surveillance électronique. Je veux dire, dans quel monde on vit si notre téléphone est surveillé sans qu'on le sache? Mais monsieur, entre vous et moi, hein? Regardez quel choix ils ont, les Américains, pour les élections. C'est pas le gros choix. Hein? C'est terrible. C'est comme rentrer chez Benjamin Moore, puis il reste juste Fuchsia, puis Cacadois. Puis Trump, d'un sondage, là, qui est 1% en avance. Ben oui, tout le monde parle de ça, là, 1%. Ben voilà. Même écrit, c'est peine de lait. Alors, tout ça pour dire que je peux rien faire pour vous. OK. Et est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous aujourd'hui?